Ok. Tu m'as envoyé? Non, il s'est allé dans le fond. Ça va, ça va. Tiens, tu manges un petit peu. J'ai gâté? Non, c'est pas gâté ça. Après, tu manges. Ça vient même, ça vient. C'est pas gâté. Oh. Ça, moi, partir tout de suite manger. Ça vient, pas gâté. Mon téléphone est cassé ou quoi? On me voit. Quand un petit piquet là. On dit quoi? Mon téléphone là. Attends, on me voit pas là. Hey. Mais c'est flou là, c'est tout noir. Non, ils ont cassé mon téléphone. Hein. Hey, Adama. Ils ont cassé mon téléphone là. Attends. Sors et tu reviens sur le direct. Ah ouais? Ouais. Sors et tu reviens dessus. Attends. On va cotiser pour payer le téléphone pour ceux de Paris. Hein. Ou bien les gars, mon téléphone est cassé là, c'est chaud. Hein. Non, non, voilà. Je comprends pas. Le téléphone est cassé, hein. C'est pas normal ça. Hein. Ou bien les gars, le téléphone de Bumi est cassé. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vais saluer. C'est quelle page même là? Les gourmets toujours là. La fraîcheur de ça. Comment allez-vous? Voilà, gourmets est là toujours. Je vais saluer. Voilà, les B52. Souffle Ourou. Juste un petit coucou pour dire que je vais bien, je me porte bien. Se passe bien. Bon, attendez, j'ai fait un direct là sur l'autre page. C'est important, pas ici. Voilà, bah, j'ai bien de vous parler parce que je suis pas content de vous. Donc, j'ai fait un petit direct sur l'autre page, mais je suis pas content de vous. Voilà, on a décontracté ce soir là. On a décontracté tranquille. Alphonse Kofi, voilà. Mireille Pichon, on est tranquille dans notre coin. Mais Stéphane Eric, le Terminator est là. Hein? Le Terminator est arrivé et vraiment, c'est puissant. Hein? Selon les informations que moi j'ai reçues. Non, non, non. Je n'ai jamais essayé, hein. Mais on me dit que c'est puissant. Pardon. Afro Nathalie, il te comment tu vois? Le Terminator est là. Voilà, parce que les RDS sont là. J'ai mes amis RDS qui sont là. J'ai un ami RDS qui est là, Abdul, qui était un papato.com. Donc, quand il n'y a pas de Terminator, ils vont couper la partie là pour les balancer. Quand il y avait promotion de Terminator, oh mon très cher frère Crew, tout mes respects, tout mes respects. Quand il n'y a pas de Terminator, ils vont dire non, ils vont couper la partie, ils vont dire que sur le Benavent, Terminator, il ne fait plus maintenant vidéo. Oh, drôle. Donc, mon frère Abdul est là, donc j'ai pas envie de parler de Terminator. J'ai pas de Terminator. Bon, je vais vous montrer Terminator là. Je vais sortir tout à l'heure, je vais vous montrer Terminator là. C'est dimanche, hein, voilà, je suis un peu fatigué, hein, voilà, parce que toute la semaine j'ai donné beaucoup. Donc c'est le jour de repos, le jour du Seigneur. Voilà, donc j'ai voulu me reposer également. Mais vous me manquez énormément, donc c'est normal que je puisse vous faire, n'est-ce pas, un petit coucou. Voilà, votre Bumi se porte très bien, à merveille. Ito Gomale, comment tu vas? Le Terminator est arrivé. Et je ne vous sens pas. Non, parce que moi-même, je ne sens pas parce que le Terminator, l'autre fois, ceux qui ont pris, m'ont fait le retour efficace. Et puis dangereux. Les Terminators, là, ils m'ont fait le retour. C'est que les femmes étaient en train de vouloir jouer les. Non, non, elle fait le malin, là. Elle est revenue à l'ordre. Et aux ordres. Elle est revenue à l'ordre. C'est une vidéo de
c'est une vidéo allégée. Hein. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que... Vous voyez, je sais que la part de choses entre la politique et la distraction, et puis également les rapports humains entre vous et moi. Parce que moi, je ne suis rien sans vous. Voilà pourquoi votre mignon garçon, élégant garçon, est toujours là pour vous, est prêt pour vous. Donc, il n'y a rien. Voilà. Merci beaucoup, Crou à soi. Merci beaucoup pour... Merci beaucoup. Merci. Et donc, nous avons une nouvelle page. Je ne suis pas content de vous. On doit atteindre un nombre d'abonnés. Mais vous n'êtes pas là. Donc, voilà. Vous savez qu'il veut m'éteindre. Donc, vous savez que la meilleure manière pour ne pas que Facebook empêche ta page de diffuser, c'est de partager et de liker et de commenter. La meilleure manière que... Parce que moi, j'ai été déjà catégorisé comme quelqu'un de dangereux. Dangereux par le régime de Ouattara. J'ai écrit à Facebook que c'est quelqu'un de très dangereux. C'est-à-dire qu'en communication, c'est important ce que je vous dis. Hein. Voilà, c'est important ce que je vous dis. C'est parce que je suis quelqu'un, n'est-ce pas, de courageux, que je ne perds pas espoir. Sinon, je pourrais abandonner. Sinon, imaginez-vous les meilleurs activistes de Côte d'Ivoire et d'Afrique, les plus suivis, qui a près de 600 000 abonnés. Et quand il est en direct, ses vues sont bas. Parce que j'ai été déclaré quelqu'un de très dangereux pour la communauté Facebook. Donc c'est à vous d'interagir. Vous dites que non, on veut voir les vidéos de ce monsieur là. Et donc c'est à vous, n'est-ce pas, d'être efficace. Vous avez vu hier, on est monté plus près de 1000 et quelques personnes sur ma page, qui n'a même pas même le tiers de cette page là. Donc cette page a été déclarée, mais je suis encore là. Je suis encore là. Cette page là, je suis là. Il ne peut pas me faire quitter ici là. C'est ma maison qui est là. C'est la maison de la mère. C'est la maison du père. Donc, cette page-là, ce qui dérange. Puisque elle dérange, je suis encore là. Ou bien, donc, partagez. C'est à vous de faire la promotion. Et voilà. Parce que la semaine prochaine, on va commencer en puissance. On a beaucoup de dossiers. Mais comme je suis beaucoup fatigué, ça veut dire que, quand je suis fatigué, ça veut dire que j'ai beaucoup donné. Entre les vidéos et les podcasts. Les vidéos, n'est-ce pas, de 10 minutes, 15 minutes. Entre ça, vous voyez que vraiment je donne beaucoup. J'occupe la place qu'il faut. Il y avait des petits nuages entre nous, et entre certains camarades. Ils ont récupéré, ils ont parlé. C'est parti où? C'est parti nulle part. Parce qu'ils ont cru pour nous déstabiliser. Alors qu'au RDR, il y a des problèmes. C'est un site là-bas matin, midi, soir. Bon, on sort. On fait un direct dans la voiture. On va dans la voiture ou pas? On va dans la voiture? Dites-moi oui. Si on va dans la voiture, on fait un direct pour vous. Si vous voulez qu'on fasse un direct, ma voiture est dehors. On fait un direct. C'est gratuit. Vous voulez un direct? Dites-moi oui seulement, puis on fait ça chap-chap. Moi, je suis trop prêt pour vous. Voilà. Donc voilà. Oh, Pati! Koubarkou Yaya! Vous voulez un direct? Hein? Vous voulez un direct? Vous allez voir. C'est ça qu'on appelle l'improvisation. Donc, je suis assis comme ça, là. Je voulais échanger avec vous. Donc, je vais improviser un direct. Vous êtes d'accord? Bon, on y va dans ma voiture. Enfin, un direct, on va improviser. Vous avez confiance ou pas? On va improviser. Mais oui! À pomper, à pomper, pomper! Mais avant de commencer, on fait publicité de Terminator. Il y a quoi là-bas? Ah oui, c'est mieux comme ça, parce que ma coeur ne l'écoute pas. Elle ne l'écoute pas. On va mettre la veste, là, on va sortir alors. On va sortir parce que... Voilà. Voilà. On va aller faire... Vous allez voir, j'improvise. Parce qu'ils font les captures d'écran. Soulez. Il était à 450 personnes. Ah, tu es fini. Mais hier, là, quand ma page qui n'est pas bloquée, là, je suis monté plus. Mais il ne faut pas me visiter de ça. Bon, on sort là. On va aller faire le direct là. Où est mon autre téléphone là? D'acquitté. Ici, quelqu'un va prendre, c'est ça qui... Bon, on va dans la voiture. Il y a improvisé. Vous allez voir que je suis le génie de la communication. On y va. Voilà, c'est parti. On sort là. On va faire un direct dans la voiture. Pour mes followers, ben je vous aime et je vous adore. Voilà. Ah, le Terminator, il est là. Attends, je vais monter le Terminator. Là.
Le sac arrivé d'Abidjan. Pati, attends, il passe. I go to my car. Bon. Ouais, c'est bon. Il y a mon tribo là-bas, tu me donnes. Pardon. Ça va, mon assigne. Je suis en direct. Les gars, il y a un où là? À Paris, pareil. Ah, mais non, mais c'est normal parce que là. Non. 100 000 kilos de poubelle. Non, parce qu'il y a trop de saleté actuellement, c'est normal. Il y a trop de. Il y a trop de. De le coca là. Le coca là. Oui. Il y a trop de. Comment dirais-je? De poubelles qu'on ne ramasse pas. C'est normal. Monsieur, tu peux le chercher là-bas. Voilà, il faut le donner sachet. Non, il faut changer, change. Okay. C'est tapé? Ouais. Donne-moi ça. Merci. Je vais dans la voiture. Voilà, si. Je viens dans 5 minutes. Non, 10 minutes, 10 ou 15 minutes. Ça va? Comment tu vas? Ça va bien? C'est comment? Il est où, gars? Non, t'as vu quoi, j'ai là? Non, je suis encore là, en train de faire un truc. Un voilà. Non, 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 c'est un homme de Qatar. Il mange beaucoup, un homme de beaucoup. Il a beaucoup d'argent, c'est normal. Beaucoup. C'est un patron. Patron bas. Bon. Voilà, je vais faire que je cherche à porter mes followers. C'est eux qui sont importants. Voilà. On va faire quelque chose pour mes followers. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça que j'essaie de cuisiner la chose. Les RDS sont là en train de me regarder là. On va couper puis on revient. Non? On va couper puis on revient. Tout bien. Parce que les RDS sont là en train de me regarder. Demi. Ah, frotte Mougou. Donne-moi le gel là, pardon. Il y a le gel là. Donne-moi le gel derrière. Le gel là-bas. Merci. On va positionner notre caméra et puis on va frapper les gens. Ok. Ah, Bumi. Voilà. Le sein est bon, non? Voilà, on va le traumatiser un peu. On va prendre le matériel de son. Voilà. Ah, Boumoui! Voilà, tu vois? Ah, ça, c'est pas bon. Hier, ils n'ont pas dormi. Parce qu'ils aiment voir qu'à ceux de Paris, il a 50 personnes. Ah, et ils pensent que moi, c'est la vie que moi, je regarde. Ils ne savent pas que. Je suis le vieux de la vieille. Un ancien rococo. Qui a déjà vu tout. Les murs, les non-murs, les vertes et puis les jaunes. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce monsieur-là? En poule grillée, est-ce qu'il a peur de coups sur cuit? Est-ce qu'elle a peur de coups sur cuit, mon frère? Bon, on y va. On va faire. J'ai fait quelque chose pour vous. J'ai fabriqué une sauce sur le de Paris. Oh, Dieu. Il faut monter ta foi de frappe. Je vais vous montrer. Vous voyez comment papa mon direct, non? Devant vous en face. Où sont mes autres téléphones là? Voilà, c'est parti. Vous allez voir ici que. Voilà. Oui! On va ici montrer un peu là, la force de frappe. Je vais. Ton téléphone est ici. Hein? T'as eu peur? Non. Non, c'est avec moi. C'est pas, c'est... chercher là-bas. Non, c'est moi qui ai pris. Non. C'est important, Joe. Le téléphone, non. Quand t'es parti, j'ai pris. Ouais, ouais. Attends, on sait jamais, Joe. Ouais, quelqu'un clair, peut, il peut limer ça, tu vois. C'est clair. Je suis là. Mmh. Voilà. On va ici. Voilà. Bon, c'est parti. Bon, les gars. À partager. Attends, quoi, le partage là? Bon, on va couper, pas on revient. On coupe et puis on revient. On coupe et puis on revient. Donc, ça veut dire qu'on prend quelques minutes, c'est tout. On va juste animer la page, c'est tout. On va un peu rigoler ce soir. Donc, on va couper et puis on revient. C'est important. Donc vous revenez dans quelques secondes. Je coupe juste et puis je relance puisqu'on a fait un flottement. Je vais répondre à un individu, voilà, à une vidéo qu'on m'a envoyée.
c'est l'improvisation des vidéos. C'est-à-dire que je n'ai pas préparé cette vidéo-là. Mais je vais ici parler d'une chose. Vous allez voir que c'est comme ça qu'on fait la vidéo. Non, non, ou bien, vous voulez que je continue. C'est-à-dire que, vous voyez, vous me prenez de coups. Mais là, maintenant, j'avais des sujets. Mais bon, je me dis, bon, ce soir, on peut aller sur un autre sujet plus posé où on va rentrer dans une situation qui se passe. Vous avez vu que mes camarades et moi, nous sommes très soudés. Et là, depuis un certain moment donné, il y a eu certains bisbilles. Ce qui est normal, et je le dis encore, ce qui est normal dans une famille politique, c'est pas arrivé. Et ce qui m'a plu dans ce que j'en ai tiré, c'est que le GPS compte. C'est que Guillaume Soro compte. Parce que quand on dit que tu es fini là, on ne parle plus de toi. Parce que Afingé, ça, il est en Côte d'Ivoire, on ne parle plus de lui. Mais Guillaume Soro est en exil. Il est traqué. L'homme le plus recherché par Ouattara. Mais c'est-à-dire que tous les faits et gestes des personnes même insignifiantes par rapport à Guillaume Soro est pris pour monnaie comptant pour le RDR. On fait des tribunes de journaux pour dire non, c'est gâté entre, n'est-ce pas, les activités de Guillaume Soro. Tellement qu'ils veulent nous voir disloqués, n'est-ce pas, comment dirais-je, divisés. Tellement qu'ils veulent voir Guillaume Soro esselé. Mais non, ce n'est pas vrai. Mieux, chez eux qui sont au pouvoir, il y a des problèmes. Il y a des jougs entre les activistes, ce qui est normal. Et tous là, c'est mes jeunes frères. Ils peuvent se chamailler, c'est normal. Et puis, il y a quoi? On fait de ça un problème d'État. Il y a un problème d'État. Jusqu'on on va avec ça sur les journaux. Les journaux de Côte d'Ivoire. Et puis, on en parle. Pas de Côte d'Ivoire, de Sardina. Donc, voilà pourquoi on va ici très rapidement couper. Et puis je reviens dans quelques secondes, s'il vous plaît, dans quelques secondes, c'est important, pour être, c'est-à-dire que dès que je lance là, je suis en même temps dedans, ou bien, à pomper, à pomper, bon on y va, c'est parti, on va couper ici, et puis on revient, tac, c'est bon, voilà, c'est parti, on y va, couper, à tout cas, vous aimez ça, hein? Martinez, ou bien on continue, c'est pas la peine, on coupe pas, on continue. Alors, on coupe pas, on continue. Dans partager, on ne coupe pas, on continue. C'est pas grave, le flottement là, c'est 17 minutes, c'est un peu trop. Parce qu'on a commencé, voilà, on a commencé doucement. Il faut qu'on avance comme ça, c'est pas grave, on continue, c'est pas grave. Je pense bien, faut pas demander. Voilà, on continue, non? Voilà, on continue. Puis c'est pas un direct lourd, c'est un direct léger. Donc faut pas. Si elle ne montait pas, comment je sais improviser? Donc on continue bien. Il souffre, comment tu vas? Donc on continue. Donc partagez alors. Je suis en direct. On y va. Donc on va ici écouter très rapidement. Voilà. Boumoui! À pomper. Pomper! Ah, boumoui! Voilà. On va ici écouter ici là. Vous savez, quand je vois un député du RDR pleurer, et appelle au secours. J'ai vu des gens m'insulter. J'ai vu un stipendier qui a été envoyé par les RDR, qui a fait une vidéo et qui nous a traité de tout et de rien. Parce qu'il y a une situation entre eux et parmi eux. Et ils pensent que nous sommes, n'est-ce pas, à la solde, n'est-ce pas, de certains militants. Je vais être clair avec ces personnes-là. Ce qu'écoutait Guillaume Soro, dès l'instant, il reste dans la posture de respect. Avec Guillaume Soro, nous allons le respecter. Mais si tu as quitté Guillaume Soro et que tu t'étales, tu vas trouver devant toi des personnes de ressources qui vont te répondre. Martinez, comment tu vois? Et donc, ils ont les bisbis entre eux. Entre vol de dîner public où on offre des 4x4 partout, 200 millions, et gabégie et tout ça. Moi, ceux de Paris, mais ce qui m'importe, ce n'est pas les farfelus qui font, n'est-ce pas, des histoires sur la toile du RDR, non. Moi, ce qui m'importe, c'est des personnes ressources d'État. Un député est une personne ressource d'État et également un ministre d'un même parti et qui expose, qui étale les faits, n'est-ce pas, du parti. Mais ça doit nous interpeller. Moi, je ne m'occupe pas, n'est-ce pas, des sorties de certains abrutis égarés ou bien des imbéciles, idiots du RDR. Non. Moi, ce qui m'importe, qu'est-ce que je peux en tirer en communication? Qu'est-ce que le monsieur peut nous révéler comme dossier louche?
ou bien caché. Là, on apprend beaucoup de choses. Et hier, quand je partage une vidéo d'un monsieur Touré Boga, qui a été spolié par monsieur le sieur, le gendre, appelé Ouattara Madi, Bruno Nabano connaît. Mais quand moi j'ai partagé la vidéo, c'est parce que le monsieur est victime d'une injustice depuis des années. Mais quand on voit que la justice est aux ordres, je vous prends ici un exemple. Voici le procureur Adou Richard qui est là. Adou Richard. Adou Richard a une cérémonie qui s'est déroulée hier. Un procureur qui est censé être quelqu'un d'indépendant, quelqu'un de transparent, quelqu'un de pas d'impartial, se retrouve à une cérémonie d'hommage du RHDP à l'honneur de Ouattara. On va ici voir. Vous savez que moi, je suis le Bumi, non? On va ici voir. Regardez ici, là. Je vais cacher le nom de la personne qui m'a envoyé. Attends. Je vais d'abord transférer les photos. Et après, vous allez voir. Vous allez voir que Adou Richard se rend à des cérémonies, n'est pas de moi, de M. Ouattara. C'est-à-dire que, vous l'avez vu, j'essaie de faire d'improviser une vidéo. Voilà. C'est ça qu'on appelle un communicant hors pair. Boum! Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ils vont se fâcher contre moi, là, attends. Ils vont se fâcher contre moi. Je vais d'abord partager la vidéo à mes amis, s'il vous plaît. Je vais les partager. Voilà. On est à 18 partages. Attends. Vous faites quoi, là? On est à 18 partages, ça veut dire quoi? On a 18 partages. On a 19 partages. Ça veut dire quoi? Attends, vous êtes chez vous à la maison tranquillement. Et moi, je fais une vidéo. Et vous êtes à 18 partages. Pourquoi? Donc, vous êtes à 18 partages. Donc, depuis maintenant, 20 minutes, je parle. Vous êtes seulement à 18 partages. C'est un manque de ressources ou quoi? Attends. Je me trompe ou c'est comment? Attends. Donc, vous êtes assis tranquillement chez vous. Et moi, je fais une vidéo. Et vous êtes seulement à 18 partages. Mais si vous avez peur de partager les vidéos, si vous avez peur de Ouattara et vous ne partagez pas, vous voulez quoi? C'est-à-dire qu'on parle de une chose et son contraire. Vous voulez entendre mes propos et vous ne voulez pas partager la vidéo. Je n'ai pas demandé que partagez sur votre page Facebook. Hein. Même si Messenger, WhatsApp, c'est pris en compte. Donc, vous ne pouvez pas vous asseoir et vous êtes pratiquement près de 300 personnes et vous vous attendez que moi-même je partage ma vidéo. Non, pourquoi? Donc, c'est-à-dire que je souffre tellement de visibilité, je souffre tellement et je vais m'asseoir. N'est-ce pas? Et puis, faire vidéo, moi, mais partager. Depuis quand? Jamais de la vie. Je ne le ferai pas. Hein? Donc, vos doigts ont été coupés. Vos doigts ont été coupés. Est-ce que j'ai étoile ici? J'ai étoile ici. Hier, j'ai fait vidéo là-bas. Il y avait étoile. Vous avez mis les étoiles? Hier, j'ai fait vidéo à 1h du matin. Il y avait étoile. Vous avez mis les étoiles? Non. Maintenant, je suis assis. J'ai fait vidéo gratuite. C'est-à-dire que sans rien, comme d'habitude, et vous ne partagez pas, ah, vous n'allez pas partager, c'est pas grave, bon, on continue. Merci beaucoup de m'avoir informé, c'est pas grave, on continue. Voilà, on continue. Gumi, on continue. Bon, on va essayer d'écouter la vidéo. Touré Afaya a parlé des vols. Écoutez ici, là. Écoutez ici, hein. Voilà. Vous allez entendre ici. Écoutez ici, voilà, c'est parti. Oui. Mais je suis député de 27 localités. Oui. Il y a des localités, le peu que je gagne là, j'ai payé ambulance, j'ai donné. Je prends par exemple. Ok, il n'y a pas de souci. Dans la sous-préfecture de Kolia. J'ai construit quand même le centre de santé. Écoutez bien. Je prends Zanasso. Les populations avaient besoin de mosquées, j'ai construit la mosquée. Je prends Tinasso. Les populations avaient besoin d'école coranique, j'ai construit l'école coranique pour eux. Je prends par exemple Touvré. La population avait besoin de clôturer les mosquées. La préfète, comment tu vas? Ziasso, la population avait besoin de centres de santé, j'ai commencé, c'est pas terminé. Kelimbara, la population avait besoin de centres de santé, j'ai commencé, je n'ai pas terminé. Bon, dans presque toutes ces localités, mais avant tout ça, même en 2013 déjà, la population de Touvré m'avait contacté pour refaire la toiture de leur école. Le peu que j'ai donné. Ce n'est pas de l'argent que j'ai. Je n'ai rien. Mais c'est l'expression d'amour que j'ai pour mes parents. Écoutez bien. C'est l'expression d'amour que j'ai pour mes parents.
Bon, aujourd'hui, vous avez divisé la région. Ah oui, j'ai oublié. Quand vous regardez autour de vous, il n'y a pas de cadre. J'ai oublié, là, attends. À part le jeune maire de Kolia. J'ai oublié. Vous savez, on peut souvent parler, puis on oublie. Et surtout, moi, monsieur, de parler, j'oublie beaucoup. On va ici voir la photo du procureur Adou Richard. J'ai promis de vous montrer la photo du procureur Adou Richard. Attendez, je vais mettre à l'aide, dedans. Attendez. Ici, avec ma veste, là. Mon par-dessus. Voilà. Je vais mettre ça tranquillement ici à côté. Dakis! Dakis! Dakide! Je vais mettre ça à côté là. Voilà. Voilà. C'est bon comme ça, non? Voilà. Je vais essayer de vous montrer la photo parce que j'allais oublier la photo de. Comment dire, de procureur de Roucha. Parce que vous avez vu, heureusement que quelqu'un écrit et j'avais déjà sauté déjà. Souvent j'oublie. Et après, quand j'écoute. Dans 10 minutes, on go, hein. Voilà. On entend mon rôle là, 10 minutes, on go. Ok. 10 minutes, on go, s'il te plaît. T'inquiète pas. Oui. J'avais déjà oublié déjà. Ibra, comment tu vas? Ma connexion est attaquée, là, c'est pas grave. J'avais déjà oublié la photo de Adou Richard. Donc, heureusement que il y a un monsieur ou une dame qui a écrit tout à l'heure. Donc, c'est bon. Donc, je me suis rappelé de cela. Donc, souvent, là, quand j'écoute ma vidéo, j'aborde un sujet et un point et puis après j'oublie. Donc je vais maintenant faire me rattraper quand j'ai voulu aborder montrer quelque chose et pas juste tomber sur la vidéo de Alpha Yaya, c'est pas bon. Ça fait un peu comment dire désordonné, ce qui n'est pas mon cas. C'est quelqu'un d'ordonné, mais c'est l'oubli. Donc je vais montrer la photo de Adou Richard avant d'embrasser l'autre sujet là. Vous allez voir ici Adou Richard, le procureur, n'est-ce pas, FOD ou RDR. Regardez ici là. Vous allez voir ici Adou Richard, ici. Voici Adou Richard qui est là. Le procureur manipulé. Regardez bien. Il est assis. Il est là. Cérémonie du RHDP en hommage à Ouattara. Vous le voyez, non? Comment un procureur qui est censé être impartial. Adou Richard est assis là. Regardez bien. Vous le reconnaissez ou pas? Il est de London. Voilà. Vous voyez? Voici Adou Richard. Cérémonie d'hommage. Qui a été organisé hier par Patrick Hachi. Regardez bien les photos. Hein. Voilà. Regardez bien ici. Adou Richard est assis ici, en bonne place. C'est lui qui est là. Voici le procureur de la République qui est là. Mais comment voulez-vous qu'il puisse s'en prendre, n'est-ce pas, au membre du RHDP? Puisque le procureur lui-même, il est assis à une cérémonie d'hommage à Alassane Ouattara. Lui qui est censé être, n'est-ce pas, impartial. Vous le voyez, non? Voilà. Il est assis là. Voilà. Avec des chaussures à près de 5000 euros. Voilà. Un procureur. Voilà. Vous le voyez, non? Voilà. Partez la vidéo, s'il vous plaît. On continue. Celui qui est là. Donc, il ne peut pas nier. Voilà. Voici Adou Richard, qui est un procureur, qui est un juge. Qui est le procureur de la République, qui est censé ne pas prendre parti. Est-ce que Adou Richard a eu pris, comment dirais-je, part à une cérémonie du PDCI RDA? Est-ce que Adou Richard a eu pris part à une cérémonie de pas du RHDP? Non. Et pardon, du PPACI? Non. Est-ce que Adou Richard a eu pris part à une cérémonie de l'opposition? Non. Il ne le fait pas. Mais il prend part à une cérémonie pas du parti du RHDP. C'est là. On continue. Regardez ici là. Vous voyez? C'est là. Voilà. C'était hier. Voilà. Les photos sont là. Hein. Je montre les photos. Voilà. C'était hier. Vous voyez? Et Adou Richard est là avec Patrick Hachi. Voilà. Vous voyez? Cérémonie d'hommage n'est pas à monsieur Alassane Ouattara. Et le procureur prend n'est pas parti. Tranquillement. Vous voulez savoir quoi? Un procureur qui est politisé. Donc, on ne peut rien en tirer. Donc, voici la preuve qu'elle a. Un procureur qui est politisé, on ne peut rien en tirer. Vrai ou faux? On ne peut absolument rien en tirer. Ainsi pour la République. Le procureur Adou Richard, qui est un juge, symbole de la balance, de l'équilibre, se retrouve à une cérémonie du RDR.
Vous voulez quoi? Que demain, que l'on convoque Damana Picasso, puisque demain il est convoqué au tribunal, demain Damana Picasso, ça ne doit pas vous étonner que la matraque s'abat si n'est pas l'opposition. C'est important. Et donc, voici la preuve qu'elle a. Une preuve significative. Que Adou Richard était un magistrat politique. C'est là. Et demain, je vais publier. Aujourd'hui, j'ai voulu me reposer un petit peu. À part la manifestation du GPS qui a eu lieu à Yopougon. Je tenais ici à saluer le coordinateur de GPS au niveau de Yopougon. Monsieur le maire, Yo Baba, pour la cérémonie d'hommage, n'est-ce pas, au patriarche d'Azito. Merci beaucoup à lui. Et donc, à part ça, je ne voulais même pas publier aujourd'hui, ni faire des vidéos, mais j'ai voulu... Le Gangaba, comment tu vas, mon très cher frère? Tout mes respects, mon commandant, tout mes respects. Et donc, vous avez vu les photos qui sont en notre possession d'un procureur de la République qui est censé être impartial, qui prend part à des cérémonies d'hommage à M. Ouattara. Nous y reviendrons sur ce sujet-là. On va aller maintenant sur le point saillant, notre communication improvisée sur le cas du RDR. Le RDR, actuellement, qui est en déflagration, au lieu d'aller s'en tenir, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, des échanges, incompréhensions entre certains camarades du GPS, je pense que dans la chaumière, il y a un problème. Nous ne sommes pas des hommes d'État. Ce n'est pas, il n'est pas un homme d'État. Il n'est pas élu, il n'est pas ministre. Donc, s'il y a des quiproquos entre des bisbilles, entre, n'est-ce pas, des militants des GPS, ça ne concerne que les GPS. Mais j'ai vu que vous avez fait de ça un chou gras. Vous avez fait ça de la propagande. Dieu merci. J'ai pris, n'est-ce pas, le Terminator. Et j'ai frappé dans l'État. C'est-à-dire que j'ai pris le B-52, le frapponneur, j'ai fait une vidéo, on appelle podcast. Et j'ai noté votre communication. Ce qui est important, parce que ce qui est important, c'est l'éloquence. C'est la maîtrise du sujet. Et donc, c'est pas tout le monde qui fait pas les podcasts. Parce que vous voulez faire comme moi. Vous ne pouvez pas comme moi. Parce que vous voulez faire passer cette communication. Mais vous ne pouvez pas. Parce que entre vous et moi, il y a un fossé. Le fossé n'est pas de l'éloquence, de la maîtrise n'est pas du sujet. Et le côté, n'est-ce pas, de quelqu'un qui est un slameur en la matière. Qui maîtrise sa chose. Donc, même quand tu me lèves à 2h du matin, sous la telle chose, je te dis, on me donne pas des idées. Donc, dès l'instant, ici, dans la cambouille, j'ai fait et je sors quelque chose d'important. Et donc, quand vous avez pris le sujet, n'est-ce pas, les soroïstes, il y a problème. Mais ça n'intéresse pas les Ivoiriens que les activistes des GPS s'embrouillent. C'est pas la tasse d'été qu'il y a eu un problème entre X ou Y. Ça n'intéresse pas les Ivoiriens. C'est leur quotidien. Au contraire, ils disent, mais sous le Paris. Mais c'est comment tes amis, c'est comment? Dès de se calmer. On a trop de problèmes pour ça. Voici ce que les Ivoiriens disent. Que Dieu a tes amis là. Qui se calme. Nous, on a trop de problèmes pour ça. Il peut se frapper, qui se frappe. Mais nous, on va bien de ça. Ce qui est important, ce qui importe aux Ivoiriens. Et qu'on entend que des ministres là-bas chez vous là, voient de l'argent là, ils ne sont pas contents. Ce qui est les Ivoiriens. Quand je mets le gourou, comment tu vois? Les big de United States of America. Tout me respect, les big. Quand ils entendent qu'il y a des problèmes là-bas en Côte d'Ivoire, Gabesi, népotisme, corruption. Ce qui importe les Ivoiriens, c'est pas parce que Amélia Blédé s'est levée, la guêpe s'est levée, Nina s'est levée, c'est pas ça qui était les Ivoiriens. Est-ce que ce qui veut rappeler les paniers? Non. Mais elles ont des problèmes en Côte d'Ivoire. Quand les ministres volent, quand les problèmes, elles ont qui gèrent le pays, on entend une affaire de 200 millions de véhicules sont distribués par, c'est ce qui était les Ivoiriens. Donc, si vous voulez rendre virales les vidéos, puisque ça vous intéresse, regardez via les vidéos où tel a parlé, il s'est parlé. Vous êtes dans une jouissance. Parce que vous, pour vous là, vous voulez qu'il y ait la division. Mais il n'y a aucun problème au GPS. Je le dis encore. Il n'y a aucun problème. Mais ce qui importe, chez vous, il y a un problème. On va écouter ici. Un député de Côte d'Ivoire sort. Et puis il attaque directement un ministre, n'est-ce pas? Qui plus est, les jeunes du président. Et puis il démontre comment c'est un voyou. Comment c'est un délinquant, un corrompu. C'est-à-dire que nous, dans notre pays, là, un député du parti majoritaire, entre guillemets, sort et puis il dit que non, il y a un problème. Un ministre est en train de, pas de corrompre n'est pas les gens. Ce qui importe les Ivoiriens, c'est grave. Ce n'est pas les histoires d'activistes là qui vont être jamais de la vie. C'est devenu traité. Dès l'instant, un député sort
Et puis il accable un ministre actuel du gouvernement. Et puis l'État. Mais qui a parlé? Qui a osé critiquer ça? C'est un problème des activistes, des GPS qui vous intéressent. Dans l'instant chez vous, là, c'est gâté et puis c'est pourri. Dans l'instant chez vous, là, c'est pourri, c'est gâté, c'est versé, waouh. Mais là, on ne parle pas de ça. C'est sur les paris à parler. Et la guerre à parler. Amélia Bédé a parlé. Et puis quoi? Et puis quoi? Qu'est-ce que Amélia Bédé a dit qu'il n'a fait d'État? Ou la vous n'a fait d'État? Non. C'est qui est pas de supporter là? C'est l'affaire de Touré Alpha Yaya et qui fait des révélations. C'est l'affaire de certain Touré Boga qui a déposé plus de 160 millions dans un bien qui a été rasé par un ministre corrompu, voleur, bandit, délinquant, criminel, économique. C'est ça le vrai sujet. Donc le sujet n'est pas de basse-cour. Que vous voulez mettre n'est pas pour embrouiller les Ivoiriens avec les buzz, n'est-ce pas, comme on est insensé, débile, idiot. Là. Nous, on est très intelligents pour ça. S'il veut qu'il casse les papiers, il se fait les vidéos et te poser, c'est pas notre problème, ça. C'est vous qui fabriquez les beurs en Côte d'Ivoire, la distraction. Savon dans l'oreille. On vient, on donne 20 millions. Un jeune sort là-bas, un abruti sort de bas du néant. On vient, on fabrique pas des beurs pour divertir les gens. Nous sommes très, très concis, très, très intelligents. Au GPS, ils ont la maîtrise de la communication. Il peut avoir des émotions, il peut avoir des sorties ratées, ce qui est normal. Nous, la perfection n'existe pas. Mais vous ne pouvez pas vous servir de cela pour dire non, c'est gâté. Rien n'est gâté. Allons écouter ce gâté là-bas. Allons, je vais écouter. Bande de voyous, bande de manipulateurs, de délinquants. À partager, oui, à pomper, pomper. Voilà. Et à pomper, frotte Mougou. À la salle. Voilà. Les documents. Attends d'abord. On va écouter ici. Monsieur le ministre Bruno Kone. Oui, écoutez. Écoutez la vidéo. Vous dites que qu'il y a des cadres qui vous menacent. Écoutez bien, écoutez. Mais qui ne vous connaissent pas. Écoutez bien. Monsieur le ministre, nous vous connaissons. Uh-huh. Nous vous connaissons très bien. Écoutez-le. Vous avez été crié par un caillou de sang. À partager. Et vous finirez poussière comme tous les autres êtres humains. Uh-huh. Je peux comprendre, on peut avoir des incompréhensions dans la région. Uh-huh. On peut s'exprimer. Uh-huh. Mais venir dire à son service de communication de faire la propagande sur des journaux, uh-huh, je trouve que c'est pas responsable. Écoutez bien. Alors, vous dites que vous avez réalisé le bitume de Boundali à Kangrila. Non. C'est une promesse de campagne du président Alassane Ouattara. Quand il le disait, vous n'étiez même pas encore en Côte d'Ivoire. Car vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire en 2011. Ah, partagez. Nous savons comment vous êtes arrivé. La politique du président Alassane Ouattara n'a pas commencé en 2011. Le combat du parti n'a pas commencé en 2011. Ah, partagez. Le combat a commencé bien longtemps. C'est tout. Écoutez, la connexion du réseau hydraulique des sous-préfectures de Bon, Kolia, Chanla, sur le fleuve, sur la Bagoué. Mireille Pichon. Ce n'est pas vous qui avez parlé à un quelconque ministre d'hydraulique pour le faire. Non. C'est un projet, c'est une promesse du président Alassane Ouattara. À partager, Bassemouri. Promesse du président Alassane Ouattara. Ce n'est pas vous qui avez fait. Merci beaucoup. Faut parler. Écoutez. Les électrifications des villages. Uh-huh. Ce n'est pas vous, monsieur le ministre. Uh-huh. C'est une promesse encore du président Alassane Ouattara. Quand il venait à la tête de ce pays en 2011, il y avait moins de 40% des villages électrifiés. Aujourd'hui, nous sommes à 97-90%. Nous disons merci au président Alassane Ouattara. Ayez partagé. Moi, je ne suis rien, je n'ai rien. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas DG, je ne suis absolument rien. Je ne suis qu'une simple créature de Dieu, qui un jeune Ivoirien qui se débrouille. Mais je suis député de 27 localités. Il y a des localités, le peu que je gagne là, j'ai payé ambulance, j'ai donné. Je prends par exemple le village de Maranama dans la sous-préfecture de Kolia. J'ai construit quand même le centre de santé. Je prends Zanasso. Les populations avaient besoin de mosquées, j'ai construit la mosquée. Je prends Tinasso. Les populations ont besoin d'écoles coraniques. J'ai construit l'école coranique pour eux.
Je prends par exemple Touré. La population a besoin de clôturer les mosquées. J'ai fait la clôture de leur mosquée. Hein? Ziasso, la population a besoin de centres de santé. J'ai commencé, c'est pas terminé. Kelimbala, la population a besoin de centres de santé. J'ai commencé, je n'ai pas terminé. Bon, dans presque toutes ces localités, mais avant tout ça, même en 2000, la bagouille, là, malgré les moyens que vous avez là, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez fait? C'est bon? Tous ceux qui sont autour de lui, là, je vous mets au défi, dans les 24 heures qui suivent, donnez-moi le nom d'une seule école, ou bien d'un centre de santé. Écoutez bien! Que le ministre Bruno a réalisé dans les 172 localités. Les papos! Il y a deux semaines, vous et moi, on a échangé pendant au moins 3 heures de temps. Nous nous sommes envoyés des messages. Monsieur le ministre, moi, je n'attends absolument rien de vous. Je remercie Dieu aujourd'hui du peu qu'il m'a donné. Le peu que Dieu m'a donné, là, je lui dis merci. À partager! Nous, aujourd'hui, là, a déjà l'âge de 41 ans, avec tout ce que Dieu nous a donné dans notre petite vie, c'est rien, mais le peu là, on ne peut que lui dire merci. Et nous aujourd'hui, c'est la tombe que nous on prépare. On n'a plus rien à prouver encore dans ce monde. Ok, mon frère. Non, on n'a plus rien à prouver encore dans ce monde. Allez, partagez. Bon, franchement, c'est dommage. Un ministre doit faire l'unanimité, doit entreprendre des démarches pour que tous les cadres soient autour de lui. Aujourd'hui, là, votre adversaire, mais c'est ceux aujourd'hui qui sont en train d'implanter leur parti dans toutes les localités du Nord pour la conquête du pouvoir en 2020. C'est eux, vos ennemis, c'est eux, vos adversaires. Vous n'avez pas besoin de gonfler vos muscles contre nous. Non, nous sommes des frères du même parti. Flo, comment tu vas? Ramakara. Le Touré Alpha Yaya qui parle là, c'est ce Touré Alpha Yaya en 2013, quand le chef de l'État devait partir dans la Bagoué. Tous les grands cadres de la Bagoué se sont réunis. Sourukone, les doyens. En ce moment, vous étiez venu en 2011. Ça là, c'est un député qui parle ici. Pour vous. Un député qui parle. Et ils disent que... Écoutez. Vous ne pouvez pas être le PCO de l'arrivée du président de la République dans la région. David, comment tu vois? J'étais au village, on m'a appelé par rapport à la réunion qui devait se faire. On va avancer, on va avancer, écoutez. Vous, ministre Bruno. Écoutez. Donnez au moins 25 véhicules, donnez 30 véhicules. Écoutez. Pour la mairie de Bon, et une mairie de moins de 6000 électeurs. Pourquoi? Parce que, bon, il faut que je l'humilie parce que j'ai la force. C'est ce Touré Alpha Yaya. Quand vous dites, par exemple, que ce que vous décidez là, c'est ce qui va se faire. Que même ceux qui prennent les décisions là, ils courent derrière vous pour que vous signiez leur ACD. Voilà. Mais, eux là, bon, chacun a sa manière de voir. Moi, je ne vais jamais courir derrière vous. Les papos, les pas papos besoin de restaurants sont dehors. Non. Tous les papos sont dehors. Non. Ouais. Écoutez. Oui. Franchement. Mon vieux, on ne doit pas s'étaler sur la toile. Quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, sur les journaux, sur le journal de Sursaut, j'ai été abattu. J'ai été abattu. Parle seulement, parle. Et vous avez dit aussi qu'on doit respecter les chefs. Moi, je respecte les chefs des villages. Parle. Je respecte tous les chefs des cantons. Si vous n'êtes pas ministre, que vous serez heureux. Dans ce cas, démissionnez. Démission. Ne votez pas Alpha. C'est pour ça la réunion, pour vous prouver que nous avons la majorité aujourd'hui dans la Bagoué. J'ai dit à votre collaborateur, le secrétaire permanent, de sortir de la salle. Parce que dans le message qui nous convient à la réunion, lui-même il a dit, lui, les accompagnateurs ne sont pas reçus dans la salle. Mais en qualité de quoi, lui il va être dans la salle. Donc il faut qu'on se respecte. Ils ont dit tenir une réunion pour dire non. Comment moi m'humilier? On dit porter caleçon. Quand quelqu'un dit qu'il va porter un caleçon à l'éléphant, s'il le fait, il a posé un grand acte. Même si l'éléphant il ne le fait pas, c'est que vraiment il a parlé. Ils n'ont qu'à essayer. Il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à essayer.
Ouais. Non, moi, le volume je suis serein. C'est moi, à ce stade-là, je dois encore courir derrière une mairie de Gon. Non, mais si vous m'approchez pour dire, ah, Alpha, vraiment, en fait, non, mais quand vous m'envoyez quelqu'un me proposer de l'argent, écoutez, ou bien me proposer un poste, c'est un manque de respect. Vous êtes déjà député, vous êtes ministre. Hein? Vous voulez encore le poste d'un autre cadre, Bama Siama. Et Bama Siama aussi, on l'appelle, on lui propose 200 millions. Non. Ok. C'est un gourmand. Voici un ministre de Côte d'Ivoire qui propose 200 millions à quelqu'un qui est un élu du peuple pour lui dire que ce n'est pas candidat. Voici ce qui intéresse les Ivoiriens. Ce n'est pas les histoires à deux balles qu'il y a un problème sur les activités de Guillaume Soro. Hein? Vous voyez, tellement que vous souffrez, on dit chez vous là, il y a les ministres corrompus qui volent l'argent du pays pour aller corrompre des gens. Cessez-vous au RDR. Voici les affaires d'État où un procureur devait se saisir pour dire, mais il y a un problème. Des ministres qui détruisent, ils prennent l'argent où? Non. Il est silencieux, il est taiseux. On a bien compris à travers la photo. Cérémonie d'hommage de Ouattara. Pour Ouattara, procureur assis, n'est-ce pas, devant. Mais ça peut vous étonner que Guillaume serait condamné à perpétuité. Ça peut vous étonner que Babou l'aurait condamné à 20 ans. Ça ne peut pas vous étonner que Damana Pika est convoqué demain. Mais que le procureur lui-même, on dit cérémonie d'hommage à Ouattara, il est assis là-bas. C'est-à-dire que le procureur lui-même, on va voir ça demain. Demain, il y a publié ça demain, Inch'Allah. Procureur lui-même assis dans un endroit où on dit c'est le monde de l'État. Mais c'est normal. Tout ce qu'ils vont dire là, ils vont faire. Puis c'est un panthère, c'est un poltron. C'est un suppositoire. On met là où on veut. On met, c'est-à-dire que c'est un pion de damier. Adou Richard n'est pas le plus grand farfelu. L'homme qui porte la torche honteusement. L'homme né avant la honte. Un irresponsable, un idiot, un imbécile qui est fait. Pardonnez-moi. Adou Richard, le plus cancre des intellectuels de Côte d'Ivoire. On va dire la poubelle intellectuelle. Adou Richard, le farfelutisme incarné, le sardinatisme incarné, l'idiotie, l'abrutisme intellectuel incarné. Adou Richard, le chacal du RDR incarné. Adou Richard, la prostitute, prostituée, gandou, bordel, toutou, sao. Incarné du RDR. Adou Richard, l'homme le plus, n'est-ce pas, idiot de la terre. C'est lui qui condamne tout le monde à 20 ans. Un irresponsable, indigne, accroupi, en genoux, couché à plat ventre. Un rampant, reptilien, serpentine, une vermine, qui, ma foi, n'a pas daigné convoquer des individus comme Al-Mustapha, qui ont menacé en mode vision les chrétiens catholiques en Côte d'Ivoire pour une marche pliante. C'est farfelu, c'est idiot, c'est bâtard judiciaire, sort. Et il fait une communication pour dire que lui, Adou Richard, va poursuivre, n'est-ce pas, Damana Picasso. Lui, il fait condamner des pro-Gbagbo qui sont allés accompagner Damana Picasso à 24 mois de prison. Ce bâtard judiciaire n'a pas convoqué, n'est-ce pas, Awassa, qui s'est déporté, lui et ses amis, n'est-ce pas, ses soudards, ses miliciens, chez le président Bédier. Lui, ses miliciens, connus, reconnus. Lui, ses criminels, Awassa, qui s'est déporté, c'est leur union. Il n'a pas été convoqué. Non. Parce que l'individu, il est trempé dans l'huile de la sardine avec un tuyau pour gaver, n'est-ce pas, son pancréas. Ko Adou Richard, ce bâtard judiciaire qui condamne à tout va toute opposition contre son parti. Ce bâtard judiciaire que ses parents vont à l'école qui pour porter la torche de l'équilibre. Ce bâtard judiciaire qui a le serment d'Hippocrate. Oui. Deux secondes là. Qui a prêté serment pour dire la vérité, rien que la vérité et seulement que la vérité. Un procureur de Weston, un procureur de Caviar qui envoie ses enfants aux États-Unis,
qui vit, n'est-ce pas, dans le luxe, dans les parures, l'or et les paillettes. Ces bâtards judiciaires qui, ma foi, entendent des propos comme ça, gravissimes. Ces bâtards judiciaires qui, ma foi, des voleurs au col blanc, comme Gabi Assiné, comme les DG qui ont volé en Côte d'Ivoire, ont su et ont vu de tout le monde. Ils sont même remerciés pour certains. Ces bâtards judiciaires à la botte et la solde d'un régime agonissant va répondre devant la justice. Adou Richard sera capturé et sera mis en prison comme les autres. Ah oui, faut qu'il le sache. Adou Richard, oui, je le dis à toi, en face. Oui, toi, le bâtard judiciaire, il va répondre devant la justice de Côte d'Ivoire. Pas devant l'injustice de Côte d'Ivoire. Puisqu'actuellement, nous sommes devant l'injustice de Côte d'Ivoire. Mais tu vas répondre devant la justice du peuple de Côte d'Ivoire. Pas devant l'injustice de la population de Côte d'Ivoire. J'ai fait une différence, une nuance entre la justice du peuple de Côte d'Ivoire et l'injustice de la population de Côte d'Ivoire. Cette population acquise à une minorité, RDR, qui brime la majorité, tu vas répondre devant la justice. Et je te dis encore, parce que tu aimes lancer les malades contre les gens, c'est toi encore le bâtard judiciaire qui n'a pas hésité à dire mon nom là-bas dans un procès unique. Un procès cynique, comique, quand Guillaume s'en fait un coup d'état. C'est toi le bâtard judiciaire. Et moi, je t'affronte à bloquer ça. Voilà. C'est bon. Et dit, c'est bon, le soir est rentré. Tu as quand même, ça rentre bien. Ils sont là. Ils sont là. Dès que quand je fais comme ça, à pomper, ils sont là. C'est qu'ils sont là. C'est battant comme ça là. Ma connerre. Alors, j'attaque Adou Richard. Qui est pas plus contre moi? Moi, je l'attends. Il est procuré, non? Mais qui saisit ici à Paris contre moi? Moi, je suis à Paris et puis j'attends au tournant. Moi, j'ai pas de problème. Comme lui, il attend les gens en Côte d'Ivoire, dossier. Moi, je l'envoie au tribunal. C'est voyou, c'est criminel, c'est délinquant, c'est juge judiciaire. Qui s'assoit, n'est-ce pas, assis au RADP pour être Omar Ouattara. C'est lui qui a connu mon mentor. Ce monsieur doit être traqué. Et tu seras traqué, espèce de voyou, de délinquant. Quand des voleurs en Côte d'Ivoire, voici un imbécile notoire qui n'a pas hésité à faire connaître Guillaume sera 20 ans de prison pour une maison. Mais quand la cité de Diaby, un autre voleur, ton camarade politique, a voué des milliards offerts, tu as fait quoi? Quand Diaby l'a signé, a voulu des milliards en vue aussi de tout le monde. Il a été remercié. Il n'a jamais été condamné. Même convoqué au tribunal. Mais attends, quelle indécence! C'est discourtois, juridiquement parlant, de convoquer quelqu'un à son absence, le condamner à 20 ans de prison pour une maison depuis 2007, alors que sous toi, Adou Richard, il y a des DG qui ont volé l'argent public. Ils sont connus, reconnus. Mais ce bâtard judiciaire n'a dernier prononcé mot. Et on nous demande, faites confiance à la justice. Quelle justice? Faites confiance à la justice. Et laquelle des justices? Quand on demande à vous, non, la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un état de droit en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un état de droit en Côte d'Ivoire. Quand j'ai entendu non, la Côte d'Ivoire est un état de droit. Parce que l'individu, n'est-ce pas, comment dirais-je, à la démarche n'est pas crabétique, puisque c'est un crabe, n'est-ce pas, clopé, clopant, appelé Draman, l'individu n'est pas à la bouche tordue, l'homme, n'est-ce pas, de Sindou, qui n'est pas ses origines, quand il dit, la Côte d'Ivoire est un état de droit, ouais, diante, dis ça n'est pas à tes moutons de paniche, sinon en Côte d'Ivoire, comment comprendre, comment imaginer que des personnes ont pu voler dans les caisses de l'État, n'ont jamais été convoqués. Tous les DG qui ont été démis de leur fonction n'ont jamais été convoqués. Comme par hasard. Puisque les maîtres voleurs, les chefs voleurs, les gangsters, les brigands chefs, oui, Ali Baba et les 40 voleurs,
lui-même, il s'étend là-bas du lion avec quoi? 400 milliards par an. Puisque lui-même, c'est le gourou, c'est le voleur attitré. C'est lui qui demande aux autres de voler. Et quand on vole, on te met à côté, comme Bitogo. Il a volé, on laisse à côté. Et après, on le renomme. Comme Bakongo, il vole, n'est pas les universités de Côte d'Ivoire qui ont été rénovées. Ce voyou a été casé à Kumasi. Ce délinquant également a été nommé ministre conseiller. Et on y va. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est les abrutis, selon eux. Parce qu'ils ont une population. Nous, on est un peuple digne et fier. Et dites Lago, Maman Babo. Alors, c'est ça. Le verbe cru et dur. Ce que Docteur ne veut pas dire, moi je le dis, haut et fort. Je me suis engagé, pas pour faire le pas de la figuration, mais aller le pas sans vaseline et par effraction, face à ces malfrats. Mon combat, je le porte avec mon âme, mon esprit, ma vie. Le combat, je le porte avec toute mon énergie, toute mon énergie. Il n'y a pas de demi-mesure avec moi. Quand j'ai affaire à ces malfrats, à ces voleurs, à ces délinquants, à ces voyous, à ces criminels, à ces prévaricateurs, je suis très dur, cru et difficile. Merci beaucoup, Chapeau, merci. Merci beaucoup. On continue. Alors, on poursuit. Quand ce monsieur a fait la révélation, appelé Touré Alphaïa, voici encore un autre Sardina. Et tout ça pareil, parce qu'il n'y a pas de différence entre Touré Alphaïa, qui vient dénoncer, et les autres prévaricateurs. C'est pareil au même. Il n'y a pas du bon dedans. Il n'y a pas du bon RDA. Et tous sont pareils. Tous des voyous, tous des délinquants. Et tous sont pareils. Et tous qui ont la tête de tous ceux qui ont fini dans les salons. Et tous qui ont concouru. Et tous qui ont voulu. Et tous qui ont milité. Et tous qui ont participé. Et tous qui ont cotisé. Et tous qui ont mis de leur énergie, de leur finance, de leur effort pour un troisième mandat criminel, assassin, mortifère. Et tous sont comptables. Aujourd'hui, dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas quelqu'un parmi eux là qui est bon. Et tous sont pareils. C'est la même poubelle. Et tous sont des voleurs, des délinquants. Donc, attends, parlable des brigands, parlable des gangsters, des braqueurs. Qu'est-ce que le policier se dedans? Parlable des voleurs, des gangsters, des criminels, des braqueurs, des coupeurs de route. Qu'est-ce que le policier se dedans? C'est entre eux là-bas. Mais nous, on vous dit que c'est les malfrats qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc si c'est pas moi, ça m'intéresse. Parce qu'ils font notre argent et puis après ils se plaignent. Parce qu'ils, tellement qu'ils ont une voracité au niveau économique, au niveau politique, ils veulent tout. Et quand c'est gâté, on va sur Facebook. Je n'ai pas pensé pour quelqu'un. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Parce que l'autre, Touré Alphaïa, c'est pareil. Voici encore un autre petit con. Qui, ma foi, s'est agrippé à Guillaume Soro pour avoir n'est pas une visibilité. Et un jour, l'individu, n'est-ce pas, estomatique, pour ne pas dire, il n'y a pas de l'estomac, et l'individu n'est pas pancréatique, n'a pas daigné les moyens pour franchir le Rubicon de la Sardinavie, pour aller manger. Et quand il va manger là-bas, et après il se plaint, mon ami, mais mangez-vous là-bas entre vous. Mangez-vous, nous on veut quoi? Que vous cassez les papiers de la République. Donc, entre vous, vous mangez, c'est gâté entre vous. Nous, on fait quoi? Nous, on récupère. Jamais de la vie. On n'a aucune empathie, aucune sympathie, aucune émotion, aucun soutien pour vous. Parce que c'est une bande de malfrats, des braqueurs des caisses de l'État, des prévaricateurs. Après avoir braqué, fait le soutien des autres. On n'est pas prêt, ni aujourd'hui, ni demain pour vous. Donc, braquez-vous entre vous. Et après, nous, on vient aussi venir, n'est pas, comment dirais-je, étaler votre situation. Quand nos frères ont été tués à Korogo, sur le cognon, c'est toi le même, tu étais là-bas à Korogo. Tu t'es indigné pour dire que ce n'est pas normal qu'on tue quelqu'un à Korogo pour la politique. Mais toi-même encore, tu rentres dans les gangs des malfrats. Et ces mêmes malfrats, tu as la vie dure. Et tu veux quoi? Quand tu sonnes de quoi? Tu veux quoi? Que nous, on veut te soutenir? J'ai pas de la vie? Parce que les mêmes criminels hier, qui ont enlevé la vie, arraché la vie à Soro Cognon, tu étais avec les soroïstes. Parmi nous.
Mes chers messieurs, mais tu as voulu aller à la Sardinavie pour aller manger de la sardine. Et quand tu mènes pas un tuyau, n'est-ce pas, pour te gaver, pour garder ton pancréas et ton tube digestif. Et toi, et comme maintenant, il y a rupture de livraison, il y a rupture, n'est-ce pas, de service, tu veux pleurer sur Facebook, démerdez-vous. Parce que vous êtes tous pareils. Quand ce reconnu a été tué, tu t'es indigné. Mais quand toi, on t'a arraché le poste de quoi, départemental, là, quoi, là. Facebook, non. Va devant la justice de Côte d'Ivoire. Va plaider là-bas devant eux. Puisque tu as dit que la Côte d'Ivoire est un état de droit. Et qu'il y a la justice. Et que tout va bien. Mais tu n'as pas à pleurer. Si Bruno n'a pas le connaître, tu auras la vie dure. Mais vas-y avec eux. C'est le cas que tu as choisi. Quand tu n'aimes pas, tu démissionnes. Donc ne pleure pas, faut supporter. You cherche, you trouve. You trouve, you support. T'as juste à trouver. Non, bien, là-bas, on connaît. On s'en fout de ça. Vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. Comme là-bas, on connaît à faire. Mon ami, vous demandez-vous. Hein. Tu penses qu'on est venu comme ça, tu dis, ah non, vraiment, on a pitié de toi. Quand le corps de ce recours a été arraché, c'est pas la même mafra. Cette bande de voyous au col blanc, des délinquants politiques qui a ôté la vie à son cognon, c'est pas le même mafra, ces criminels là, ces délinquants qui ont enlevé la vie, arraché la vie à la cité de Koulibaly, à Abobo, tu étais où? Et tu rejoins le camp des malfrats. Et après les portants du butin, tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Tu n'es pas à se marier. Parce qu'on n'est pas là pour venir te défendre. Vous tous, vous serez traités de la même manière. Cette meute qui est à la tête de notre pays, ces braqueurs, cette junte militaire, ce régime illégal, illégitime, corrompu, ce régime qui est à la tête de tout ce conflit, parce que c'est du jamais vu. Oui, du jamais vu. Encore une fois. Le seul, il y a eu rébellé en Côte d'Ivoire. On a tout entendu. Il y a eu qu'il poste électoral en Côte d'Ivoire. On a tout entendu. Mais le seul, la seule personne qui a osé pour un troisième mandat faire couper la tête de quelqu'un en Côte d'Ivoire qui restera dans l'histoire, ça va être Dramane Ouattara. Écrivez ça. L'histoire retiendra que, en Côte d'Ivoire, une tête fut décapitée. Et l'homme s'appelle tout ce conflit. Un jeune étudiant. À cause d'un troisième mandat. Illégal, illégitime, inconstitutionnel. Et toi, tu vadrouillais au plateau en Côte d'Ivoire. Oui, tu es affaire. Tu vadrouillais au plateau en Côte d'Ivoire pour soi-disant sécuriser. Tu as sécurisé hier là. Et tu as gagné quoi aujourd'hui? Mais tu as sécurisé hier pour que Bruno Dabarekone soit reconnu ministre. Donc, si lui que tu as fait hier et qu'il est devenu ministre, il te traque aujourd'hui de même partie, démettez-vous. Aucune empathie, aucune compassion, aucune pitié. Puisqu'en 2020, toi, tu étais en train de sillonner avec le bouffon de Suisse, soi-disant, pour traquer les opposants. Toi, tu as pris un de mes jeunes frères en Côte d'Ivoire, qu'on appelle Metongo Traoré. Tu n'as pas hésité, toi, un député de Côte d'Ivoire, à faire enlever Metongo Traoré chez lui à domicile, le maltraiter, le torturer dans une forêt. Tu n'as pas hésité à l'envoyer chez un autre malfrat, un voyou, un fatripotent coiffé d'un bagnero, appelé, n'est-ce pas, Touré Amel Bois, ton homonyme, au niveau patronyme. Tu as pris Metongo Traoré, amoché, frappé, blessé, tuméfié. Et tu l'as envoyé, c'est un autre de pas voyou, délinquant, brigand, Touré à mes bois, qui a sorti un pistolet et qui a menacé de mort. Il prend le pistolet, mais c'est la tombe de Metongo Traoré. Il est ligoté. Il est torturé. C'est toi, Touré Alfaya, qui n'est pas OPJ. Qui n'a aucun mandat. Un citoyen qui t'est prévalu des
de prérogatives de député pour aller prendre un citoyen chez lui à domicile. Tu l'as enlevé, tu l'as séquestré, tu l'as torturé avec des personnes. Et tu l'as jeté dans un commissariat après avoir pris le pas, un procureur corrompu appelé Adou Richard. Oui, Metogo a été jeté en prison à cause de toi. Parce que pour la même chose, Metogo te critiquait au niveau de Bagoué. Mais tu n'as pas supporté, tu n'as pas accepté, tu n'as pas acquiescé, tu n'as pas ravalé, tu n'as pas avalé ces critiques. Tu l'as enlevé et tu l'as fait torturer. Et toi aujourd'hui, la même chose t'arrive et tu plais quoi? Tu plais quoi? Le plaît de quoi? Le plaît d'une bolée? Le plaît d'une bolée? Plaît même n'est pas ton sang. Vis ton corps. Plaît ton sang de ton corps. Non. On ne sera pas dans une compassion ou empathie. Parce que c'est le mérite. C'est le sort que tu mérites. Et maintenant que tu as été jeté en prison. Depuis sa prison, ses enfants sont restés orphelins. Toi, quelqu'un qui est sans foi, ni loi, qui parle de Dieu. Voici encore un malfrat religieux. J'ai toi. Tu prends, mais t'es en prison. Et sa femme meurt en prison. Sa femme meurt. Mettez-vous en prison, sa femme meurt. Enfant orphelin, sans père, sans ni mère. C'est toi qui as oublié ton passé récent là. Qui a pris quelqu'un injustement. Tu l'as fait torturer. Tu as voulu l'assassiner. Tu l'as jeté la maca. Et tu viens pleurer. Le ministre Namalo connaît. Nous, on s'en fout de ça. Ok? Moi, je suis sans pitié. Hein? On ne me connaît pas. Quand on me voit, je prends les vidéos. On dit, je suis sans pitié. Hein? Parce que le comment que je mène là, je suis intransigeant. Je suis un radical. Un radical dans la vérité. Parce que de la même manière que les têtes d'Amadou Koné, toi également, ils ne te menacent pas. Il n'y a aucune compassion. Et c'est comme ça. Je n'ai pas oublié ce que tu as fait subir à Metogo Traoré. Et tu te baladais ici. Tu pavanais ici partout, sur la toile. Et en toute impunité, d'un pays normal, un député qui enlève un citoyen. Un citoyen de son pays, il est torturé, il est maltraité, il est séquestré, il est tuméfié, blessé partout. Il n'a jamais été entendu par ces malfrats judiciaires qu'on appelle Adou Richard. Mais pour un tweet, un autre sardinard, la tête de Crumier, vous a rejoint. Mais pour un tweet, il a été mis en prison. Et je suis rationnel. Je suis rationnel dans mon combat. Donc toi, tu mets ta part. On continue. Pour terminer ici, pour dire de la manière qu'ils n'ont pas eu d'empathie ou bien de compassion, de pitié pour ne pas enlever, arracher la tête de tout ce qu'on fit, cette junte au pouvoir, cette junte illégale, parce que la junte n'est pas légale, que le peuple épouse la cause, pas la population. Parce qu'il y a une différence entre la population et le peuple. Le peuple, la population, c'est une partie, n'est-ce pas, et comment dirais-je, acquise à une minorité politique, qui est dans le RDR. Mais le peuple, là, c'est comme au Burkina, comme au Mali, comme en Guinée. Donc, cette jeune illégale, appuyée par une population perdue, égarée, manipulée à souhait, gavée, n'est-ce pas, comme les noix, avec le pas de la sardine, cette jette-là n'a pas de leçon à donner aux autres. Mieux, dans la révélation, notre nom est sorti là-bas. Puisqu'il y a un farfelu qui sort et il dit que Touré Afaya nous envoie de l'argent pour venir, pour nous entretenir. Demain ici, vous faites écouter ça pour terminer. Et avant de poursuivre, merci beaucoup. C'est bon, t'as compris? T'as compris? T'as compris? Ok. Donne-moi 5 minutes et puis on va avancer. Vous allez écouter ici là. Il y a un autre encore, un autre drogué, puisque c'est la case des drogués. Faut ici. Ok. La case des drogués,
On va ici écouter un autre drogué qui est là. Écoutez-le. Il est où? Voilà, écoutez-le. Allez-y sur la page de Tom la souris. Il y a une page qu'on appelle Tom la souris. Allez-y voir les différentes pages d'Alpha Yaya Touré. Mais c'est honteux. Il a une page qui insulte Kadja. Il a une page qui insulte Touré Mamadou. Il a une page, il a plusieurs pages qui attaquent Bruno Lamagne Kone. Il a une page qui attaque Kafana Kone. Il a une page qui attaque Cissé Bakone lui-même. Il a une page qui attaque le président de la République lui-même. Il paye les vidéomans sur le de Paris. Il paye les vidéomans la guerre. Ok. Écoutez. Il paye les vidéomans des RACI, des GPS pour attaquer les ministres du RHDP. Voilà. Écoutez. Et il y a des ministres qui lui donnent là. Il paye les vidéomans sur le de Paris. Il paye les vidéomans. Il a une page qui attaque ses Bakone lui-même. Il a une page qui attaque le président de la République lui-même. Il paye les vidéomans sur le de Paris. Il paye les vidéomans la GAP. Il paye les vidéomans des RACI, des GPS pour attaquer les ministres du RHDP. Okay. Et il y a des ministres. Bon, voici les problèmes entre vous là-bas. Quand Touré Alpha Yaya sort, quand Madame Traoré sort et puis elle pleure, là, le père de Mbolé, là, voici encore un autre drogué qu'on envoie. L'idée dit que donc Touré Alpha Yaya envoie l'argent à nous pour aller attaquer les ministres. Je vous à moi, vous m'avez une fois vu faire une vidéo contre Nabalé Kone. Non, sincèrement. Ce n'est qu'hier que j'ai fait une vidéo sur la base de quoi? D'une preuve irréfutable d'un concitoyen ivoirien de la diaspora qui a dépensé plus de 160 millions de francs CFA dans ses biens immobiliers en Côte d'Ivoire. Immobilier en Côte d'Ivoire. Tout a été rasé du jour au lendemain à cause des amitiés entre un certain Angoran Serge, comptable à la présidence, et le sieur Nabane Kone. J'en ai parlé hier. Avant-hier, nous avons fait cas également de la situation du député frustré, n'est-ce pas, parachuté de la Bagoué, Alpha Yaya, qui étalait ses noises avec le ministre incompétent, puisque sous lui en Côte d'Ivoire, les maisons se coulent à tout va. Je l'ai signifié dans ma vidéo d'hier. En Grèce, le ministre grec des transports a démissionné parce que des étudiants ont perdu la vie d'un national de ferroviaire. C'est ça qu'on appelle n'est pas un État responsable. Dans un pays où un ministre incompétent qui se fait appeler n'est pas Ouattara m'a dit, le président m'a dit, puisque lui, n'est-ce pas, il couche avec la nette de Ouattara et qu'il a abandonné femme et enfant. Je le précise bien, il a divorcé femme et enfant parce qu'il voulait aller, n'est-ce pas, se mettre, n'est-ce pas, au beurre. C'est important. Il a divorcé par profit. Parce que comme ça naît de Ouattara, voilà, elle, pour avoir eu un positionnement, il a préféré divorcer sa femme, abandonner sa femme et ses enfants pour aller, n'est pas, se marier à une nouvelle, à une autre, une tisa. Et puis il a pris. Parce que, donc, comme lui, il est incompétent, là, nous. Non, c'est pas une femme, c'est... On dit la femme qui est derrière moi. Non, c'est mon ami qui a quitté. Tu veux une femme? Il n'y a pas femme ici. Il n'y a pas femme ici, c'est que les hommes qui sont là. Lili, non, moi, ça là, comment tu vois? Il n'y a pas femme ici. Quand tu passes, il n'y a que les hommes ici. Sur les matchs avec les hommes, les femmes là, non. Voilà. Maintenant, je change les cas maintenant. On poursuit. Il n'y a pas de femme ici. On poursuit. Et donc, voilà. Pour vous dire. Que le bon ça va arrêter aurait. Donc le monsieur veut un soutien. Non, il n'aura pas. Et donc tu quittes ta femme pour aller prendre, n'est-ce pas, une autre femme. Et puis parce que tu veux une protection, comment dirais-je, ministérielle. C'est à cause de ça que Ouattara refuse de congédier les compétents notoires appelés Bruno Nabane Kone. Par contre, on ne remet pas en cause sa posture intellectuelle. On ne remet pas en cause de pas ses diplômes. Non, loin de là. Parce que les gens disent que non, sous le tu que c'est un incompétent. Non. Tu peux prendre un boucher pour être n'est pas un chirurgien.
Parce que quand on dit que c'est un incompétent, on dit non, il a beaucoup de diplômes. Mais ce n'est pas ça. J'ai vu des commentaires. Bon, c'est la même, n'est-ce pas, c'est la même population. C'est-à-dire que c'est la même, n'est-ce pas, abruti, égaré. Que sous les, mais tu ne vois pas la cheville, n'est pas d'abord de connaître. Non. Aucune prétention. Voilà. Lui et moi, on n'a pas le même diplôme. Mieux. Il est pas de diplôme. Mais tu ne peux pas prendre un boucher pour l'avoir d'un hôpital pour être un chirurgien. Puisque le boucher pour toi, il sait bien dépecer, n'est-ce pas, les moutons, les bœufs et les poulets. Et donc, toi, tu l'envoies, n'est-ce pas, tu dis, ah, mais c'est un bon chirurgien, hein, parce qu'il sait tellement découper bien, n'est-ce pas, les bœufs, tout. Et tu l'envoies, n'est-ce pas, dans un laboratoire, un laboratoire où on a, n'est-ce pas, opéré quelqu'un. Et tu lui donnes, n'est-ce pas, la robe, les habits, n'est-ce pas, de docteur, de chirurgien. Il y a un être humain qui est là et tu demandes, n'est-ce pas, qu'il opère. Donc, je l'ai dit, il est incompétent parce que sa place n'est pas au ministère de la Constitution. Et je répète encore, il est incompétent, n'est-ce pas, à la matière. On n'est même pas en cause, puisqu'il travaille où? Ici en France, à Orange. Nabalé Kone était ici en France, il travaille à Orange. Maintenant, on l'envoie à Côte d'Ivoire, le moment de la Constitution, tout. Bon, mais quand ça ne va pas, on change. On peut l'envoyer, n'est-ce pas, à la pêche, ou même ministère, n'est-ce pas, de la famille, puisque lui, il est le gendre du président. Donc, on l'envoie, n'est-ce pas, au ministère de la famille, puisque Ouattara est content de le prendre comme son gendre, de le prendre comme étant n'est pas son beau-fils. Donc, c'est normal. Donc, on le prend, on le met seulement au ministère de la famille. Puisque c'est là-bas qui est bon. Puisque Ouattara trouve que non, qu'il est bien. Mais, il est bien là. Là où il est, il peut être bien parce qu'il est le beau. Et comme il est le beau là, il pense bien qu'il a des tactiques. Pouvoir ne pas permettre aux femmes de rester avec les femmes, avec les maris, et les hommes de rester avec les femmes. Donc, au niveau matrimonial, il est vraiment ce côté-là, il est bon. Au niveau familial, il est bon. C'est-à-dire que là, on peut le nommer là, pour que Ouattara soit heureux, c'est-à-dire qu'il a nommé sa nièce. Donc, ce qu'il va faire à sa nièce, n'est-ce pas, il va répercuter ça sur, n'est-ce pas, son département qui sera, n'est-ce pas, le ministère de la famille. C'est important. Et de la protection, n'est-ce pas, de l'enfant. Mais tu prends quelqu'un comme ça, tu prends un boucher, tu le mets, n'est-ce pas, dans un hôpital. Mais il va charcuter tout le monde là-bas. Il va dépecer les êtres humains là-bas. Parce qu'il ne connaît pas. Donc, on a pris Dabane Kone, on a mis de l'autre côté, comme étant ministre de la Constitution. Mais il est devenu, en Côte d'Ivoire, le ministre de la Déconstitution. Cho Abayo, tout mes respects. Donc, il n'est pas compétent. Donc, le dit là, ce n'est pas dit qu'on remet en cause ce diplôme. Voici des abrutis, dès l'instant tu critiques quelqu'un, on te dit non que oui, non, la personne n'est pas à des diplômes, la personne n'est pas à ton niveau. Ce n'est pas ça. Non, c'est pas ça. Et donc, je pense que le poste qui sied bien à Nabane Kone, c'est le poste du ministre de la famille et de la protection n'est pas des enfants et de la femme. Là-bas, là, de la manière qu'il prend bien Massere Batouré, qui est la nièce de Ouattara, qui est sa femme, qui est la chef de la communication de la RTI et de la présidence, qui est également la PCA de RTI. C'est-à-dire qu'elle a tous les postes là. Donc cette dame-là, qui est la nette de Ouattara là, demain qu'il la gère bien, il va gérer comme ça toutes les femmes du Côte d'Ivoire. Mais demain qu'il a peur d'elle là, et puis il va faire pareil. Parce que vous prenez un témoigne, qui ne connaît pas le poste de la Constitution, lui, le poste qu'il sied, où il peut être à l'aise là, c'est là-bas. Mais j'ai de la femme. Parce que pour une première fois, il faut mettre un homme qui est soumis. Un homme qui est très soumis à sa femme, n'est-ce pas, qui est la nièce du président. Puisque là-bas, il ne peut pas parler. Donc, il va faire la même chose avec toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Au contraire, les femmes doivent militer pour cela. Vous, les femmes, vous devez militer pour cela parce que vous voyez comment il se comporte, n'est-ce pas, comme n'est-ce pas, un agneau. Il se comporte très bien. Depuis qu'il est avec la femme, là. C'est-à-dire qu'il est obligé de laisser sa propre femme avec laquelle il a galéré d'abandonner ses propres enfants pour aller ne pas se mettre dans une seconde noce d'opportuniste parce qu'il voulait avoir des intérêts ministériels. Et donc, on doit le confiner au poste où il est bien. Puisque c'est un arriviste arrivé en 2011 et maintenant dans les entrejambes de Nassere Batouré, pas Massere Touré, Nassere Batouré. Il y a deux. Massere Touré, c'est la mère, elle, la ministre de la famille, c'est pas elle. Il parle de Nassere Batouré, la nette de Ouattara. Donc, comme il a goûté les intelligences de cette dame-là,
il est couché dans un confort ministériel, envoyé là-bas. Et les femmes militaient pour cela. Voici encore un autre fourrier que Ouattara nomme et que ma foi, il pille, il vole. Mais comme les gens du président, comme le fils de Mitterrand ici en France, qui dit, papa m'a dit, puisque lui, il était le fils de Mitterrand, l'ex-président français, et donc quand il partait en Afrique, pour aller voir les chefs d'État africains, il dit, papa m'a dit que. Donc c'est la même chose avec ce vaurien, appelé le Pandabé de Koné, partout il passe, non, c'est gens du président, le président m'a dit, puisque lui, il est l'oreille du président. Donc mettez-le là-bas, on est tranquille. Merci beaucoup à vous. Pour terminer, ce voyou qui prétend que Alpha Yaya nous envoie de l'argent afin de pouvoir parler mal de Dabadé Koné, nous ne sommes pas des mercenaires de la communication. Tu as porté une cravate, comme n'est-ce pas l'est, n'est-ce pas, de Rottweiler. Tu vois les maîtres chiens là, qui sont à Abidjan là, ou bien les maîtres qui sont en France là, ils ont des cordes là, on appelle la laisse, ou bien les petits caniches là, qu'on prend souvent pour se balader avec eux. Tu as vu la corde qu'on prend, on appelle la laisse. Ou bien les chevaux, là. Tu as vu la corde qu'on prend, c'est une laisse. Donc, ta cravate que tu portes, là, on a une laisse, là. N'est-ce pas, de lion. Ou bien une laisse, n'est-ce pas, de cheval. Et tu viens pour donner une voiture étouffée à 41 degrés. Et que mon nom sort dans ta mandibule, là. Que ce soit la dernière fois, ok? Que ce soit la dernière fois que tu vas t'asseoir avec ta cravate étouffante. Avec ta laisse étouffante. C'est pas une cravate. Mais quand tu te vois, tu as une laisse étouffante. C'est-à-dire que c'est là comme ça. Tu es inélégant, et puis tu es crapuleux, tu es crasseux, tu vois, et puis tu viens t'asseoir, tu parles de qui? D'un honorable comme moi? Et tu parles de quoi? Tu parles que c'est avant quand même payé de l'argent pour attaquer Dabadé Koné? Parce que tu as fait un transfert de 100 000 francs, CFA, petit baveux. Que ce soit la dernière fois que tu fais une vidéo, elle t'a laissé. Capri que tu sois. Il porte une cravate comme ça, avec. Ça veut dire quoi? Tu es suicidaire ou quoi? Parce que c'est quelqu'un qui est suicidaire, qui peut aussi mettre comme ça, comment dirais-je, une laisse au cou. Battra Denny, tu vas te prochainement. Bon, au revoir à vous. Dis-lui, je lui ai envoyé ça. Dakité est là, il dit qu'il va t'appeler 100 000 francs pour payer, il n'est pas une belle cravate. Pour faire les belles nœuds. Je lui ai envoyé 100 000. Un bon rien comme ça. Attends, il a montré le nœud de cravate là, regarde. Il est là. Il a un mot de pendaison. Regarde-le. Il a la cravate. Il a un mot de pendaison. Tu vois. Vous me regardez celui-là. Tu vois. Le mec, il est là. Il a un mot de pendaison. Tu vois. Ça veut dire quoi? Il est malade ou quoi? Il a un mot de pendaison. Voilà. Il a un mot de suicidaire. La prochaine fois, tu fais une vidéo encore. Et puis, tu mets encore une nœud comme ça, là. Tu vois. Et un dernier bouton. C'est un vaurien. Attends. Joe, attends. Tu as fait un sapologue. Tu as fait à quelqu'un qui connaît pas l'agneau. Il connaît habillement. Tu as fait à quelqu'un qui connaît habillement. Ok? D'être te dit quelque chose. Deux mois avant de quitter là. Tu es dans une voiture. Et tu n'es pas à Paris comme moi. Où il fait froid. On est à 9 degrés actuellement. Pas bien le chauffage. Je n'ai, voilà, ni de rien. Mais prenez un peu le billet. Il y a un peu de climatisation. Prenez un peu le billet. Ou bien j'ouvre pas les vitres tranquillement. Comme il fait tard, je ne le fais pas. Par contre, toi, tu es dans une voiture sans climatiseur. Puisque le temps que tu as pris ta vidéo pendant une heure là, fais une vidéo là. Dans un chalet étouffant et puis tu es en costume. Tu es prêt à qui? Tu vas voir par qui? Donc, comme tu parles pour un ministre là, tu es obligé de porter cravate. Tu es dans le chalet là, étouffante là. Et tout ce qui. Tous mes amis, oh, tous mes camarades, oh, mes connaissances, oh, en Côte d'Ivoire, me disent oh, que là-bas il fait chaud. Une chalet étouffante. Et toi? Tu te trouves pas dans un véhicule où il fait chaud à étouffer comme dans un conteneur. Et toi, et encore, tu portes pas la chemise. Tu vois, non? Elle te monte un peu. Je vais lui monter un peu de sous, il va acheter. Voilà, tu prends la chemise que là, tu vois, non? Là, moi, j'ouvre les derniers boutons puisque c'est ça l'élégance. Voilà. Mais toi, tu prends la chemise comme ça jusqu'au dernier bouton. C'est-à-dire qu'à t'étouffer d'abord de 1. Dans une chaleur, n'est-ce pas? Indescriptible. La température, tu mets un thermomètre, n'est-ce pas? Ça s'explose. Donc, toi, tu portes le dernier bouton. De 1. Et deuxièmement, et tu portes le bouton, n'est-ce pas? Tu mets encore, n'est-ce pas, la laisse. Le nœud mal fait. On dirait quelqu'un qui veut se pendre. C'est d'abord de 1. Donc, toi, là, on te prend seulement, on te tire comme ça, là.
comme n'est pas comme un caniche. Et ça te suffit pas. Tu portes encore une veste en polystyrène. Polystyrène. Donc ça veut dire que ta veste n'est même pas en coton. Avec une couleur qui attire la chaleur. Ça veut dire que toi-même, je ne comprends pas. Et tu es tellement gawa. Et tu parles de moi. La prochaine fois, tu as même fait vidéo. Alisa, comment tu vois? La prochaine fois, tu as fait vidéo contre moi. Tu as fait vidéo pour parler de mon nom. Avec tes dents qui sont jaunâtres. On dirait un mangeur de cola chronique là. Avec tes gencives qui sont sales. On dirait quelqu'un n'est pas qui se serait brossé là. Avec ta langue qui est longue, on dirait langue de varan. Avec ta tête, on dirait tête n'est pas d'alligator. La prochaine fois que tu fais une vidéo qui parle de moi, il faut t'attendre à moi. Ok? Parce que on ne joue pas dans le même cours. Avant de parler de moi, il faut d'abord élégant. Tu es là-bas, tu t'étouffes dans un véhicule. Mais si c'est moi-même qui ai baptisé ça, si c'est moi qui ai créé ça, le concept, je fais une vidéo dans la voiture là. Mais il y a des principes. Il y a des principes à respecter. L'élégance, la propreté, la lumière. Et puis, n'est-ce pas, il faut être vraiment présentable. Mais tu viens tout crasseux et tout baveux. Tu es assis, n'est-ce pas, loin là-bas. On est à peur, on est un fuyard. Donc tu attends seulement quand on vient dire hey, et puis tu as fui. Non. Donc tu dois avoir n'est pas une posture. Tu dois avoir une posture. Au niveau de. Quand tu t'assois là, tu regardes les gens comme. Mais tu es assis lointain. Et tu partis, tu as peur de quoi? Hein? Parce que c'est moi quelqu'un le conseil de bas. Voiture, vidéo là, c'est moi. Partout là. Tout le monde parle que sous les débats, il faut dire la voiture, oui. Mais il y a une déontologie pour faire des vidéos dans la voiture. Être propre. Être éloquent, être élégant, être respectueux et avoir une posture. Quand tu parles à tes followers, toi un perdu, tu viens d'asseoir, non? Les souris de Paris, on a là pour faire une vidéo. Si toi on t'appelle, n'est pas un costume, n'est-ce pas? Ce yougou au marché. On t'appelle un costard, n'est pas même pas sur mesure. Si on t'appelle un costard dans les ballots. Sorti de bord de France, au revoir. Là. Et puis, on t'a donné ça rapidement. Tu as porté ça comme étant masque, comme un masque guéré. Parce que ce que tu portes là, c'est tellement gros sur toi. Mais quand tu vois, on sent que la veste, là, c'est pas à ta taille. Quand tu portes 42, on te donne 54. Donc, c'est pas pareil. Et donc, quand tu vois, tu flottes. Tu vois, avant, là, quand on portait les baguilles, là, les pantalons qui sont gros comme ça. Là. Donc, toi, tu flottes dedans, dans ton appoutrement. Donc, fais attention. Ok? Si Bruno n'a pas connu ta voix là. Si moi j'ai affaire à lui, je l'attaque directement. Ce n'est pas le physique que je vais attaquer. Donc je ne tiens pas à mettre vous tous là au même point d'égalité. Merci beaucoup à vous. À bientôt. À demain. On est ensemble. Ça, c'est le montage, cher frère, depuis Banjul. Franck Dabo, depuis Banjul, n'est-ce pas? Banjul, ça c'est en Gambie. Si je ne me trompe pas, chez Yaya Baro. En Gambie, oui, c'est ça. On est ensemble. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Dagde. On y va, on dit que t'es une femme. T'attaques les gens, les moins que rien.